fait, c'est une plateforme, ce qu'on appelle un e-marketplace. C'est une plateforme où on va réunir les consommateurs et les vendeurs. Donc, les vendeurs prennent de l'espace sur une plateforme, vendent leurs produits, et nous, on va emmener les consommateurs pour venir acheter sur cette plateforme-là. Ben, l'objectif, c'est tout faux. Hein? C'est-à-dire que d'abord, c'est qu'il y a les vendeurs qui vont facing beaucoup de difficultés hein? Avec toute l'augmentation des prix, donc ils doivent rationaliser leurs coûts. Donc, venir en ligne, c'est beaucoup moins onéreux que d'avoir un magasin physique. D'accord? Et pour les consommateurs aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un vient en ligne, il n'a pas ce coût de fixed cost, comme on dit, d'un magasin physique. Donc, il peut donner des prix meilleurs aux consommateurs. Donc, tout le monde sera gagnant dedans. Et bien sûr, c'est du business. D'accord. Pour tout le monde. On va être un mall. Ça veut dire qu'on aura des sections de vêtements, des appareils. Sanitaire, on aura des home and garden, on aura toutes les catégories. C'est-à-dire que c'est un mot, on n'est pas limité pour un type de produit, mais on veut être un généraliste, c'est-à-dire avoir le plus grand gamme de produits possible. D'accord. Ben, il suffit juste de nous téléphoner sur 460-3535 ou nous envoyer un petit mail sur vendor@easy.market, easy.market. Donc le nom de notre compagnie s'appelle easy.market, mais notre site aussi c'est easy.market. C'est longue journée, ça a été one year in the making. Hein. Donc depuis le Covid, on s'est dit ok, on va faire, on s'est assis, l'équipe du senior management, les gens du marketing, comment on le fait, conceptualiser, prendre des consultants, nous aider, passer avec tout, les branding, la logistique, le IT, la technologie, donc c'est tout ça qu'il fallait mettre en place et c'était beaucoup de travail.